c'est un sujet éthique là, hein, quand même. Nous, à notre temps, ceux qui ont la grosse tête là, ce sont eux-mêmes les plus intelligents. Quoi en plus, c'est un éthique là, hein. Bonjour. Mon loyer. Je sais, j'ai pas oublié. Hein. C'est que jusqu'ici, j'ai pas encore touché mon salaire. On est le 16 aujourd'hui. Hein. Photo. Oui, je sais, je sais. On va devoir encore patienter un peu. Tu sais. C'est l'état. This man. Ça ne me regarde pas. Tu as 3 jours. Si tu me donnes pas mon loyer d'ici 3 jours, tu vas quitter ma maison. Donne-moi encore une semaine. Une semaine, j'ai dit. Qu'est-ce qui t'amène, mon fils? Je vais devenir très riche. Immensement riche. Voilà. Moi, il a créé la sécurité. C'est tout? C'est tout. C'est ça mon souci, l'argent. Tu connais d'un côté? Oui, je le connais. Tu connais Billy Gates? Oui. C'est moi. J'ai deux solutions. La première, tu m'amènes 2 millions. Je vais donner à mes génies. Ils vont te faire le travail, chap chap. Ah, je prends la deuxième solution. Oui. Mais tu m'as même pas écouté. Ou bien, tu vas, tu enceintes une fille. Tu mets la main. Photo. Et le reste. Je prends quand même la deuxième solution. Ça, mais, c'est mais, moi. Mais je me reconnais dans ça. Je reviens tout de suite. Ça, je fais ça. Merci. Ah. Oui, mon fils. Je suis là. Tu es venu? Ouais. Déjà, moi je ne perds pas le temps. Chap, chap, moi je travaille. Tu sais, avec le gendarme. On ne blague pas avec. Tu m'as amené les 2 millions donc. Hein? Là, comme je t'ai dit, j'ai pris la deuxième solution. Hein? Hey! C'est qui ça? Mais papa, Samira? Ma fille de 16 ans! Toi là, tu es maudit, tu iras en enfer. Je vais te. Thank you.